Yotika kikiti ya bokonzi na yo Boyo lukanga
Il a déjà été. Cette pyramide est vraiment parfaite. Il parle de la pyramide. Vous pouvez difficilement y faire passer une lame de rasoir. Oh non, non, pardonnez-moi. Je prends une autre citation. Là, je vais revenir après. Sur les ailes d'une colombe. Ainsi en est-il d'un véritable chrétien. Savez-vous qu'un vrai chrétien n'a pas même un seul péché qui lui soit imputé? Amen. Le frère Branham dit qu'un vrai chrétien n'a aucun péché qui lui est imputé. David a dit, béni soit l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu. David est parti voir la femme de Bathsheba, vous connaissez l'histoire. Nous sommes dans l'ensemble mixte. Et vous savez la suite. David est tombé, David a fait des histoires. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Jusqu'à ce que David pouvait même, pardon, le prophète Nathan pouvait même se tromper. Il dit à David que si tu veux construire un temple pour l'Éternel, va de l'avant parce que Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il savait que David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais regarde ce que David a promis. Mais lorsqu'il a voulu construire le temple, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui vas le construire parce que tu as du sang entre tes mains. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Je pense à nous. L'homme à qui Dieu avait donné la commission de construire le temple. Parce que son père, la construction du temple lui a été refusée. On donne à Salomon. Les jours de la dédicace, l'agneau est descendu. Dieu a confirmé le tabernacle. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, Salomon est parti se marier avec d'autres églises. Il a pris beaucoup de femmes. Parce qu'une église est une femme. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a construit le temple, ils ont commencé à adorer un autre Dieu qui est le Dieu d'Israël. Mais à la fin de sa vie, Salomon est parti au ciel. Parce que la semence en lui n'était pas le péché. C'est ça là un paradoxe des choses de Dieu. C'est pourquoi, moi j'ai toujours dit, que les choses de Dieu, c'est entre l'homme et Dieu. Ce que l'autre fait, ce n'est pas ton problème. Parce que tu ne sais jamais. Je prends un autre exemple. Un homme comme Noé, qui reçoit la commission de construire l'arche. Il a construit l'arche, la pluie est venue, ils ont été sauvés du déluge. Et après, Noé a commencé à boire. Jusqu'à se dévêtir. Et son enfant, en voyant Noé, il a commencé à se moquer de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a maudit. Il s'est posé peut-être la question, mais ce monsieur est vraiment un prophète. Regarde ce qu'il fait. Il est parti prendre la bière jusqu'à ce qu'il ne puisse. Jusqu'à ce qu'il reste comme ça, sans amis. Et l'enfant s'est moqué de lui. Mais celui qui était sage connaissait que dans son père demeurait la sémence de Dieu. Donc, tout ce que Noé avait fait là, donc ça ne comptait pas devant Dieu. Parce que Dieu ne compte pas les péchés de ses enfants. Puisqu'ils sont une sémence. Dieu ne peut pas compter les péchés. Le frère Branham dit ici qu'il y avait un homme. Il dit que, frère Branham, moi je suis fatigué des affaires de Dieu. Je veux vivre ma vie. Il dit, mais non, mon frère, tu ne peux pas faire ça. Il dit, non, non, après, c'était un prédicateur. Il arrête de prêcher, il arrête tout. Il est parti acheter un casier de bière, il a commencé à boire. Après quelques temps, il est mort. Le frère Branham, il voyait, c'était un fils de Dieu. Voilà. Enfin, il est mort dans la bière. Et Dieu, c'est un dit de paradoxe. Ah, je ne dis pas que quelques autres ont commencé à boire. Équilibre. N'est-ce pas, frère Joseph? Nous équilibrons. Je n'encourage pas. Mais ce que quelqu'un fait, ce n'est pas ton problème. Restez-en éloigné. Mais frère Branham dit que ce monsieur-là était bel et bien un chrétien. Preuve en est que quand il a commencé à se détourner du chemin de Dieu, il est mort. Parce
que si vous avez ces mains de Dieu, Dieu ne peut jamais vous perdre. C'est impossible. Comment est-ce qu'il va perdre une partie de lui-même? C'est impossible. De cela que se résume les choses de Dieu. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, rien à voir. On a dit aujourd'hui qu'il s'agissait de la communion entre Dieu et l'homme. C'est tout. Et après la rédemption, c'est la communion entre Dieu et l'homme. C'est pour nous dire que ça, ce n'est pas une église. C'est une assemblée de saints, de semences prédestinées. C'est tout. Nous, on cherche pas les membres de l'église. Nous cherchons des semences prédestinées pour la communion. Amen. Amen. Parce qu'après toutes les fêtes, il y avait une fête. Là, ce n'était pas vraiment, mais c'était une convocation. Mais c'était une convocation sainte pour les saints. Quand on dit saint, c'est-à-dire un homme sans péché. Voilà pourquoi la sainte convocation devait venir après les âges de l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les saints qui sont convoqués. Pas les pécheurs, les saints. Les saints, ça veut dire quelqu'un qui est sans péché. Et là-bas, il ne s'agit plus de l'Église. Il s'agit seulement d'une communion entre les dieux. Donc, parmi les hommes, pas communion. N'est-ce pas? Amen. Les femmes nous ici. David disait, heureux l'homme à qui Dieu ne pute pas les péchés. Quand vous êtes lavé dans le sang de l'agneau, non pas en faisant semblant, mais réellement lavé par le sang de l'agneau, Dieu ne vous impute rien. Il dit, oh. Dieu ne vous impute rien. Attends, je ne vois pas bien là, c'est trop petit. Dieu ne vous impute réellement lavé par le sang de l'agneau. Dieu ne vous impute rien de ce que vous avez fait parce que vous êtes sous le sang et il ne voit pas cela. C'est ça qu'on avait dit. Dans les jardins d'Éden, Dieu n'a pas cherché Ève. Dieu n'a cherché qu'Adam. Amen. Amen. Dieu ne cherche pas le Père. Sans le sang de Dieu lui-même, personne ne peut être sauvé. Impossible. Voilà pourquoi un enfant de Dieu m'a dit qu'un grain de blé qui arrive à maturité s'abaisse. Parce qu'il reconnaît que ce n'est pas lui. C'est un travail qui a été fait qu'on met maintenant à lui. Ou bien un homme qui avait donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi un chrétien, un véritable doit être homme. Il dit, il y a un sacrifice sanglant. La seule façon dont il puisse vous considérer est la manière dont il vous a vu avant la fondation du monde. C'est comme si Dieu a pris une photo de vous. Avant la fondation du monde, il prend une photo de vous. La photo, là, c'est ça la référence. Donc la vie que vous passez ici sur la terre, ça ne compte pas. Dieu attend jusqu'à ce que vous puissiez ressembler à la photo là. C'est pourquoi il a dit que quand il viendra, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Or, nous disons que Jésus est déjà venu, mais nous disons que nous ne sommes pas encore parfaits. Non, quand il viendra, nous serons semblables à lui. Et quand il est revenu, lui est parfait. Il nous a donné cette perfection et aujourd'hui, nous sommes semblables à lui. Amen. Le royaume des égaux. Amen. C'est tout ce qu'il peut voir parce que vous êtes rachetés de tout ce que vous avez fait. Vous êtes lavé dans le sang de l'agneau. Pardon, certains, il n'y a pas de pile en vous. Il n'y a pas d'habitude impure en vous parce que le sang de l'agneau a fait cela. Et Dieu ne peut vous imputer le péché alors que vous avez une offrande expiatoire qui est là pour vous. Amen. Maintenant, mon titre c'est la grâce redressée. Pourquoi la grâce redressée? C'est mon sous-titre, parce que le titre c'est la perfection. Et la grâce redressée, c'est le sous-titre. Parce que le frère Branham me dit que, il me dit là, monsieur, quel est le titre? Je le pense. Là où il énumère le mystère, il dit,
Les onze mystères, ces mystères Babylone a constitué l'Apocalypse du 5e siècle. Ce sont certains des mystères qui s'étendent et sont censés conclure tous les mystères de Dieu. Vous savez que Monsieur Kennedy a été basé sur Apocalypse 10 et ça parlait de Dieu. Et lorsque la nuit descend, ça va révéler tous ces mystères. On avait pris le 4e mystère. Il y en a beaucoup, nous avons commencé à prendre quelques parmi. Mais aujourd'hui, je vais prendre un mystère qui est le mystère ici là, de la grâce bénie. La grâce bénie, c'est non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. Donc c'est ça que je vais prendre aujourd'hui, en rouge. Maintenant, le fait nous dit que, avant d'arriver là-bas, nous voyons que dans les tabernacles, ici, là, nous voyons qu'il y avait ici les chandeliers, n'est-ce pas? Là-bas, il y avait le feu de proposition, et puis là-bas, il y avait le verre d'encens. Mais à l'intérieur, là-bas, ok, il y avait l'arche d'alliance. Et dans cette arche d'alliance, nous voyons la lumière de Jéhovah, Dieu lui-même qui descendait là-bas. Et les enfants d'Israël s'est campés tout autour d'ici. Et vous connaissez bien les campements. Il y avait quatre tribus dans chaque coin, dans chaque côté. Mais la chose que je vous fais remarquer, c'est que ici, dans l'arche d'alliance, il y avait quelque chose qui était dedans. Nous prenons l'arche d'alliance. Dans cette arche d'alliance, à l'intérieur là-bas, Dieu a dit à Moïse de placer là à l'intérieur les tables de la loi. Ces tables de la loi là provenaient du désert. Et à l'intérieur là-bas, il y avait aussi la manne cachée. Et cette manne cachée là, dans le désert, il faut les manger le même jour. Et si ça dort, ça pourrissait le next day. Mais ici, Dieu dit à Moïse, prends la manne, mets à l'arche l'alliance. Et prends aussi les tables de la loi, mets dedans. Amen. Amen. Or, nous savons que selon les tabernacles, nous avons ici les parvis extérieurs. Quand nous avons le voile, nous avons ici les chandeliers qui étaient dans le lieu saint. C'est-à-dire que le lieu saint était le type des âges de l'Église. Amen. Après là-bas, nous avons les pères de proposition. Et puis nous avons là-bas. L'hôtel d'ensemble. À l'intérieur, là-bas, nous avons maintenant l'arche d'alliance. Or, quand nous allons déjà dans l'arche d'alliance, nous sortons déjà des âges de l'Église. Ok? Maintenant, dans l'arche d'alliance, nous retrouvons quelque chose qui est écrit dans le désert, mais qui se retrouve dans l'arche d'alliance, qui est le type du 8e jour. Mais je me suis posé la question, pourquoi? Alors, j'ai examiné Malachie chapitre 4. On nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, auquel je vous précise, je vous ai prescrit en valeur. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je vois qu'il y avait Malachie, et dans Malachie 4, il y avait Élie, et puis il y avait Moïse. En plus, il y avait Christ qui était le soleil de la justice, qui avait amené la guérison sous ses ailes. Cela m'a transporté dans Matthieu 17. Sur la montagne de transfiguration, je vois Élie. Et je vois Moïse. Moïse qui représentait les lois et Élie qui représentait les prophètes et Christ lui-même qui est la parole. Maintenant, quand les disciples ont voulu construire trois tables, une école de la loi et une école de prophètes, on leur dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je place toute mon affection. Et quand ils ont regardé, ils n'ont fait que Jésus seul. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le fait m'a dit que Moïse et Élie, ils étaient engloutis en Christ. C'est-à-dire que les lois et les prophètes engloutis dans un seul homme qu'on appelle amour, Christ, la parole. Voilà pourquoi l'ange d'alliance, c'était une représentation de la parole. À chaque fois que l'ange d'alliance allait hors d'Israël, Israël devenait faible. Mais lorsqu'on ramenait l'ange d'alliance, c'était la force d'Israël. Et dans cette ange d'alliance, il y avait une table de la loi. Mais la loi était englobée. Christ. Parce que quand on cherchait dans Moïse, Moïse était maintenant
en Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9. C'est juste pour confirmer ce que j'ai dit. Je pense que c'est le verset 4. Bon, je prends le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Était les chandeliers, la table et les prêts de proposition. Derrière les cerveaux voies se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints. C'est là où se trouve l'arche de l'espace. Renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or dans sa divinité. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ça, ce sont des choses qui étaient dans l'arche de l'alliance. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu avait demandé à Moïse de le mettre là-dedans? Parce qu'ils sont sortis maintenant, ils étaient sortis du désert. Ça, ce sont des choses qu'on les avait données comme loi dans le désert. Mais ils finissent le désert, ils arrivent là dans le tabernacle. On leur dit de placer la table de la loi à l'intérieur. Et maintenant, quand ils étaient arrivés à la terre promise, c'est l'arche de l'alliance là qui a été mise dans les saints des saints, dans les temples de Salomon, avec les mêmes tables de la loi qu'avait Moïse. Maintenant, Jésus nous dit ici, Matthieu 22. Je vais reprendre Matthieu 5. Bon, je prends Matthieu 22. Il dit, un des docteurs de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous voyons maintenant que toutes les lois, tous les commandements de la table de Moïse sont résumés dans une seule chose qu'on appelle amour. Parce qu'il dit que tu aimeras. Il s'agit de l'amour. Maintenant, cette loi-là ne disparaît pas, mais cela a été englouti dans l'amour. C'est-à-dire que nous ne pratiquons pas la loi comme étant des gens qui ont peur d'aller en enfer, mais nous pratiquons l'amour et l'amour produit ces produits de la loi. C'est-à-dire que si j'aime mon frère, je ne veux pas les tromper. Si j'ai l'amour pour ma femme, je ne veux pas les tromper. Frère, ami, que je ne le fais pas parce qu'elle va me refuser. Mais non, je le fais parce que je ne le fais pas parce que je l'aime. Je veux le blesser. C'est par amour. Parce que cette loi-là a été engloutie dans l'amour. C'est pourquoi le frère Barnum parle des deux écoles de la pensée, des doctrines. Il dit ceci. Frère Barnum dit qu'il y a deux écoles de doctrine. Il y a le calvinisme. Calvinisme et arménianisme. Ici là, c'est la grâce. Et ici là, c'est le légalisme. Amen. Le légalisme dit que, et maintenant, ici dans le message, plus de gens, beaucoup de gens ont le légalisme.
C'est là qu'on voit qu'on appelle les sœurs. Passe ici. Montre-moi les talons. On mesure les talons. Non, c'est trop long. Ça, c'est pas le message de Branham. On regarde la sœur et dit que non, il ne sait pas mettre les mèches. Non, le frère Branham n'a pas dit ça. Non. Le frère Branham a dit, si une sœur n'a pas assez de cheveux, elle peut mettre un peu. Mais il y a simplement une apparence naturelle. Juste pas ça. Voilà les talons. Les jupes, ça doit être jusque là. On a vu Meg avec une jupe jusque là. Ça, c'est du légalisme. Ce n'est pas mauvais que la soeur puisse avoir une belle apparence. Frère Madame dit d'ailleurs que dans le cœur de la femme, d'une femme, il y a le désir d'être belle. C'est normal. Frère Madame dit, il n'y a pas de problème dans ça. Il dit, mais la beauté doit ressembler à la parole. Mais ce n'est pas important qu'une soeur soit belle. Alors nous allons apporter l'égalisme. Vous allez dans des églises où on vous dit que non, les soeurs se mettent de ce côté et le frère de ce côté. Quand vous allez dans les églises, surtout en Afrique, vous allez voir de ce côté le frère et de l'autre côté les soeurs. Mais quand on regarde dans le tabernacle, on voit tout le monde est mélangé. On se demande, mais cela provient d'où? Ça provient du légalisme. Certes, pour éviter qu'il y ait des choses, mais le mari peut s'asseoir avec sa femme. La première fois que j'avais vu, ici en Europe, dans une église, où un frère est assis avec sa femme, qu'il était là-bas dans l'église, j'étais choqué. En plus, j'ai vu le frère là, il croise mon mari, les gens comme ça, il tient sa femme comme ça. Dans l'église, il m'a dit, avec tout l'égalisme que j'avais dans ma tête, j'ai dit, mais ça crie. C'est quoi ça, le père là? C'est le païen. Non. Non. Frère, le problème c'est que voilà pourquoi beaucoup d'églises ont produit des hypocrites. Les habitants des églises là-bas, disons grandes églises, ils viennent ici, frère, ils deviennent des païens et des païennes. Je connais une sœur qui est venue d'une grande église que je n'ai pas citée le nom. Cette église-là, il y a vraiment du légalisme dedans. Moi, papa, il ne faut pas qu'il dort dans l'église. Hé, papa, tu dors dans l'église. Non, pasteur. Je sais. Je fais du boulot. Même si tu fais du boulot, tu vas dormir. Allez, mettez-vous. Faire l'église du message. Une maman qui dormait. Maman, tu dors. Maman, tu dors, je ne dors pas. Donc moi j'ai menti, non parce que tu n'as pas menti. Mais tu dors, non je ne dors pas. Mais la maman est obligée de mentir, frère. Si la personne dort, peut-être qu'elle est fatiguée. Il faut la comprendre. Ça arrive, frère. C'est pas tous les jours que les gens dorment dans l'église, mais il y a une fois, tu sens vraiment que cette personne elle est fatiguée. Tu ne sais pas ce qu'elle est comme problème, mais elle est fatiguée. Prends ça du bon côté. Alors, le légalisme fait en sorte qu'on dit au frère, allez, mets-toi debout. Le frère dit, mets-toi debout sur le banc. Le frère se met debout, là, sur la chaise ici, là, il monte là. Il dit comme ça, quand tu dors, tu vas t'ouvrir. Du légalisme, frère. Non. Le frère va nous dire, pourquoi nous avons tous ces problèmes parce qu'il n'y a pas de travail de l'âme. Le message doit atteindre l'âme. Moïse, qui connaissait les secrets, qui était le libérateur, il voulait faire le travail selon lui. Frère Branham dit, quand Moïse a rencontré la colonne de feu dans le désert, il dit qu'une minute devant Dieu, Moïse avait changé. C'est la parole qui vaut de nos gens. Que l'homme soit conscient de la parole. C'est pourquoi les affaires de la nation, les affaires des églises, frère. Ici, dans ce que nous ne croyons pas qu'il faut suivre quelqu'un derrière pour nous dire ce qu'il doit faire. Non. C'est de mettre la parole dans le cœur. Même les enfants que vous voyez là, ce sont nos enfants, mais nous ne les contrôlons pas. Quand je suis à l'école, ils ne sont pas avec moi. Ce qu'il faut faire, il faut leur donner la parole.
que la parole pénètre en eux. Même quand ils iront chez Jésus, ils seront des chrétiens. Je fais le nom de Jésus. Deux écoles. Il dit, il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'Église. L'une, c'est le calvinisme. L'autre, c'est la doctrine arminienne. L'une est légaliste, l'autre est basée sur la grâce. Et nous voyons que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes, ils disent, Dieu soit béni, je fume, ça ne me dérange pas. Je bois, ça ne me dérange pas. Je peux faire ces choses-là, j'ai la sécurité éternelle. Ensuite, nous voyons que de l'autre côté du légalisme, ils disent, oh, j'aimerais l'engueuler, j'aimerais lui dire ces quatre vérités, mais je suis chrétien, il faut que je reste tranquille. Voyez-vous, vous retrouvez sur deux routes différentes, et ni l'une ni l'autre n'est la bonne. Maintenant, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. L'autre dit que, en tout cas, j'allais engueuler. Lui, c'est pas que moi je suis karatéka. Quand je fus. Mais bon, je suis chrétien. Je n'ai pas le fait. Non. Ça, c'est le légalisme. C'est là où moi j'ai toujours dit que si un homme est chrétien et qu'il a envie de boire, laissez-le boire. Même s'il ne boit pas, mais il boit. Parce que Jésus dit, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter, elle a commis l'adultère. Ce n'est pas passé dans l'acte. Mais l'essentiel que tu puisses regarder une femme pour la convoiter, déjà dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Pour Jésus, c'est déjà fait. Et si nous prenons ça de cette manière-là, combien d'adultères nous avons? Si cela est le cas, nous sommes tous tombés. Voilà pourquoi moi je ne connais pas. Un frère dit qu'un frère qui tombe, prie pour lui. Il dit, il est déjà tombé dans une fosse, les pauvres. Il dit, donnez-lui une corde pour le faire mourir. Pourquoi ça doit être un sujet de racontable? Tu sais hein, ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il s'est fait, mais tu vas gagner quoi? Autant mieux de garder les secrets et de prier pour le frère. Aidez-les à remonter. Il ne faut pas renforcer davantage. Oh, pour nous, si quelqu'un est tombé dans une histoire comme ça, c'est une joie pour nous, mais cela ne te justifie pas. Cela ne peut pas dire que si le frère est tombé, c'est que toi tu es bien. Non. Du fait que tu as en train de le critiquer, toi-même tu es déjà tombé. Frère Branham dit que si un frère est tombé, attention de tomber avec lui. C'est pourquoi moi je n'aime pas critiquer. Le frère Branham continue, vous devez naître de nouveau. Alors, 25. Ce n'est pas pour essayer de me faire une petite place dans la province des calvinistes. Donc, vous voyez, ce n'est pas ce que je cherche. En disant cela, je sais que je parle aux légalistes. Ce n'est pas du tout cela. Parce que moi aussi, je suis légaliste. Mais je crois ceci, que Calvin avait quelque chose, et les Arminiens aussi avaient quelque chose. Et tous deux avaient quelque chose. Mais ils sont allés à l'extrême là-dessus. Le calviniste dit, eh bien, je suis sauvé, et simplement, c'est la règle de la question. Sa vie prouve qu'il ne l'est pas. Il n'est donc pas sauvé. Voilà, la grâce est finie. J'ai vu une église du message. Ils organisent un mariage dans l'église et on installe les gens bien dans cette église-là avec les prémices et les scores dans l'église. Frères, nous sommes déjà prédestinés, frères. Nous sommes sauvés. Ça, c'est aller à l'extrême. Dire que parce que je ne bois pas, je suis un enfant de Dieu, c'est aussi aller à l'extrême. Mais la vraie chose provient de l'intérieur. Amen. Et le légaliste dit, je dois faire ceci, je dois faire cela, et je dois faire cela. Si vous n'êtes pas donc né de nouveau, vous n'êtes toujours pas sauvé. Voilà donc, vous voyez, c'est entre deux choses, au milieu du chemin. C'est là que nous devons nous tenir. Ce que vous êtes, c'est que le calvinisme, c'est que la grâce. Ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Il dit, ce que vous êtes,
ce qu'est le calvinisme, ce qu'est la grâce. Non, ce qu'est la grâce. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Mais les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu en appréciation de ce qu'il a fait pour vous par la grâce. Je ne produis pas les œuvres parce que je vais aller au ciel. Non. Je produis les œuvres parce que Dieu m'a fait grâce. Parce que je suis sauvé, je produis une certaine vie. Parce que quand on parle d'une brebis, une brebis produit de la laine. Pas parce qu'il veut être une brebis, mais c'est parce qu'il est une brebis qu'elle produit de la laine. Et si vous prenez un bouc, il va produire autre chose que la laine. Parce que sa nature, ce n'est pas ça. Le Pharaon dit que je ne fais pas les œuvres pour prouver à Dieu ou soit pour prouver au monde que je suis guéri et que je suis sauvé. Il dit, mais je le fais parce que Dieu m'a sauvé. C'est une expression du salut. Vous comprenez? Parce que le Pharaon dit que ce que nous disons crie moins que ce que nous faisons. Amen. Frère, ce que vous avez dit, mais les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu en appréciation de ce qu'il a fait pour vous par la grâce. Voilà toute la réponse. Et puis, Jésus, il dit, et puis je suis sauvé. Alors je vis comme un sauvé. Amen. Mais je peux vivre comme si j'étais sauvé sans être sauvé. Vous comprenez? C'est-à-dire que, frère, il y a des blancs honnêtes, mais qui ne sont pas les chrétiens. Il y a même des chrétiens qui mentent plus que les blancs. L'homme, là, surtout, si vous allez en Hollande, les Hollandais sont très honnêtes. Quand tu fais une affaire avec un Hollandais, tu verras l'honnêteté. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Le Pharaon me dit que je peux vivre comme étant sauvé. Je ne bois. Moi, d'ailleurs, même avant de croire le message, je ne buvais pas. Je ne fumais pas. Mais je n'étais pas un chrétien. D'ailleurs, le jeune homme riche, qu'est-ce que le jeune homme riche a dit? Il est venu devant Jésus. Jésus lui a dit quoi? Observe les 10 commandements. Le jeune homme riche lui a dit, non pas que je les observe, mais il dit, je les ai observés. Depuis ma naissance, Jésus l'a dit, il te manque encore une chose. Quelle est la chose? Va, vends tout tes biens, distribue l'argent pauvre et viens maintenant sur moi. Parce que la vie, c'était Jésus. Les jeunes savaient qu'il était membre de l'Église, qu'il devait une meilleure vie, mais il n'avait pas de salut. Pourquoi? Parce que le salut était Jésus. Mais quand il est arrivé devant les salut, il a refusé la chose. C'est juste pour dire que tu peux vivre une vie sanctifiée, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Frère Branham dit que ainsi tous les problèmes se résument au fait que nous devons naître de nouveau. Donc tout se résume dans la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est la nouvelle création. C'est une condescendance de Dieu lui-même qui vient vivre dans la personne. Amen. Il continue. Ainsi, l'expérience de la nouvelle naissance montre ce que nous sommes. Cela ne veut pas dire que je crois dans le fait de crier et dans toutes les manifestations et les démonstrations de l'esprit. Et pourtant, ce n'est pas encore la chose. Vous voyez? C'est autre chose. Il s'agit d'une nouvelle créature. Quelque chose dans le cœur. Amen. Il s'agit d'une nouvelle créature, quelque chose dans le cœur. Les affaires de Dieu, ce sont des affaires du cœur. Les femmes ont dit que si je vis bien, ce n'est pas parce que j'ai peur de la mort. Il dit si je vis bien, c'est parce que je l'aime, simplement. C'est ce qu'il dit ici dans les ailes d'une colonne blanche. Je pourrais fumer une cigarette. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Mais même si je le faisais, il pourrait me le pardonner. Je crois qu'il le ferait. Si je buvais un coup, je ne l'ai jamais bu de ma vie. Mais je crois qu'il me le pardonnerait. Je l'aime trop. Que Dieu m'aggrave, je ne veux rien faire de la sorte. Voyez, parce que je l'aime, ces choses m'ont quitté car
lorsqu'il ne changea de cornée en colombe, cela fit une différence. Je n'ai plus d'appétit pour ces choses. Alors le péché ne m'est pas imputé parce que je ne cherche pas à faire cela. Ce n'est pas dans ma nature de le faire. Amen. C'est-à-dire que quand la parole entre dans le cœur, ça offre le désir. Une fois une soeur est venue au frère Branham, est-ce que je peux mettre la teinture? Le frère Branham lui a dit que ma soeur n'a pas un verset pour ça. Je ne peux pas te dire oui ou non. Il dit, mais tu as le Saint-Esprit dans le cœur, que le Saint-Esprit puisse te conduire. Amen. Il s'agit de la personne. Chacun est conduit de la manière dont Dieu se révèle à lui. C'est-à-dire que lorsque la parole entre dans le cœur, il vous donnera une façon, une manière de vivre. Parce que vous êtes changé. Il y a le désir qui est ôté. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'ils font, les gens qui fument, qui cherchent à arrêter de fumer, on leur donne maintenant des substituts. On appelle ça, comment on appelle ça? Les nouveaux cigarettes électroniques. C'est un substitut. Le problème, c'est que le désir est toujours là. J'ai vu un ami au travail qui prenait la cigarette électronique. Je lui ai dit, oh, tu penses à pourquoi? Il dit, non, je vais arrêter de fumer. Moi, je dis, non, tu n'arrêteras jamais. Il dit, non, j'ai arrêté. Ça fait un bout de temps, je fume que ça. Moi, je dis, non, le problème, c'est que le désir est toujours là. Je lui ai dit, si le désir est là, continue à fumer. Puisque tu fumeras plus pour satisfaire les désirs. Le frère Madame dit que dans l'homme, le fils de l'homme qui réfléchit, il dit qu'ils ont fait la tristesse d'une cigarette en disant qu'on a mis le filtre. On appelle ça le filtre de l'homme qui réfléchit. Le frère Madame dit que même si on met le filtre, le problème c'est que tu dois satisfaire la quantité de la nicotine dans ton âme. Parce qu'il y a un désir en toi qui te pousse à faire des choses. Tant que le désir est demain, tu continueras toujours à le faire. Mais il faut que la parole puisse venir anéantir le désir. C'est ce que nous appelons le baptême de feu, qui vient dans le cœur, qui vient calciner tous les mauvais désirs. Parce que je ne crois pas que même si nous sommes sauvés et que nous pouvons avoir un mauvais comportement vis-à-vis des frères. Amen. J'ai dit à cet ami-là, moi j'ai dit, ce qu'il faut faire, tu dois arrêter simplement de fumer. Maintenant, les démons de la nicotine que tu as créé toi-même, parce qu'il crée les démons eux-mêmes. Parce qu'au commencement, quand l'homme ne fume pas, il n'a pas envie de fumer. Il voit les amis qui fument, ils commencent à fumer. À un certain moment, il ne suit plus les amis, mais ça devient une dépendance. Parce qu'il a lui-même créé les démons de la dépendance de la fumée. Il commence maintenant à être fumé en dépensant beaucoup d'argent. Et quand il se rend compte qu'il a beaucoup dépensé, il est maintenant lié, il n'arrive plus à quitter. C'est ça le démon. C'est ça le démon. C'est l'habitude qu'il a créée. Ça devient maintenant une hormone de dépendance à lui qui ne peut plus s'en débarrasser. Ça devient difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement arrêter de fumer. Ça va faire très mal. Quand ça fait mal là, c'est la mort maintenant de ces démons-là de la nicotine. La science dit toujours que quelque chose qu'on n'utilise pas, ça finit toujours par s'extorquer. Et puis, ça meurt. Si vous êtes dans un hôpital, pendant des mois et des mois, quand vous allez sortir de l'hôpital, on doit encore vous apprendre à marcher. Si nous marchons, c'est parce que nous le faisons tous les jours. Mais si tu t'assois pendant plusieurs jours, on te dit de marcher, tu vas commencer à marcher comme un bébé. Oui. C'est ça qu'on appelle la rééducation. Puisque tu ne marches pas, tu ne marches plus, même les articulations maintenant sont fermées et ça serait difficile pour toi de marcher. J'ai vu des gens, un à deux ans à l'hôpital, il est toujours couché. Mais lorsqu'il est guéri, c'est maintenant un autre parole de traitement qu'on lui donne. C'est-à-dire la rééducation. Tu vois un grand monsieur, après de marcher comme un bébé, il marche comme ça. Tout s'il n'a pas utilisé ça. Or, si tu arrêtes de la fumer à cette demande de la nicotine, ça finira toujours par s'estorfier et ça va mourir. C'est le seul remède. Becky, ma fille qui était là, et si c'est moi,
J'ai tout fait. Quand il faisait ça, j'ai tiré son goût. Mais une fois, il est parti chez un médecin. Un dentiste. Mais ce dentiste-là était un psychologue. Le dentiste-là lui a parlé calmement. Il a dit, tu vois quand tu suces les doigts, tes dents vont devenir comme ça. Après, on va te mettre le presse. Et tout le monde se moquera de toi. C'était une prédication. C'est entré dans l'âme. Et quand elle est rentrée à la maison, elle s'est surprise. Quelques phrases, frère. Cela était tellement entré au niveau de l'âme que ça l'a convaincu. Elle avait arrêté de suicider. Pourquoi? Parce que cela était devenu elle. C'est comme ça que cette parole doit entrer dans l'âme de l'homme pour devenir l'homme. Et cela produira les œuvres. Parce que les œuvres sont l'expression de la foi. Et cela n'amène pas dans le légalisme de dire au frère arrête de faire ça, de dire au sœur arrêtez de faire ça. Non. Nous ne croyons ni au légalisme, ni à la grâce infinie. Où l'homme peut faire tout ce qu'il veut. Hébreux. Je sois sur le point 3:50. Alors vous voyez, la même pluie qui fait pousser les blés fait pousser les graterons. Et donc, là, le tableau est devenu clair pour moi. Voilà, il y a la personne Chanel qui fait une confession de foi. Elle est au milieu de l'église. Mais ses fruits, il se peut qu'elle pousse des cris de joie. Sorte, danse, pas en l'âme, mais ses fruits, c'est un graterron. Il y a l'autre qui a le même esprit. Le Saint-Esprit peut descendre au milieu d'un groupe de gens. Et un hypocrite peut pousser des cris de joie par le Saint-Esprit. Tout comme un graterron peut vivre de la pluie qui est envoyée. C'est de ça que Paul parle ici. Mais il est impossible qu'un graterron devienne du blé, ou que du blé devienne graterron. Voyez, les croyants charnels à cette époque-là, et c'est pareil aujourd'hui, ils aiment dire, eh bien, je suis membre de l'Église, je suis membre de l'Église, je me suis repenti, je me suis avancé, j'ai fait une confession, j'ai été baptisé. Vous voyez, il s'appuie sur ces réformes charnelles. Hein? Le frère Bonhomme m'appelle le baptême des réformes charnelles. J'ai fait une confession, j'ai été baptisé. Vous voyez, il s'appuie sur ces réformes charnelles. Et ça produit quoi ça? Ça produit des graterons. Tout ça, ça ne peut pas changer l'homme. Et la perfection, ça produit quoi? C'est le blé. C'est-à-dire, c'est la nouvelle naissance. C'est Dieu lui-même qui vient vivre dans l'homme. C'est tout. C'est-à-dire que ce graterron-là doit être changé en blé. Il continue. Cela dépend de la semence qui a été semée dans votre cœur. Si vous venez à l'église seulement parce que vous avez peur de l'enfer, vous avez peur de l'enfer. Si vous adhérez à l'église parce que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas aller en enfer, vous êtes toujours un graterron. Si vous adhérez à l'église seulement pour être bien vu, vous êtes toujours un graterron. Et vous avez, si vous avez accompli toutes les formalités demandées et que vous n'avez rien d'autre, vous êtes toujours un graterron. Mais un vrai authentique chrétien court vers la perfection jusqu'à ce que le monde soit mort et que vous soyez devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il dit maintenant, il est impossible que cet homme tombe un jour. C'est ce que Dieu a dit. Ah, là c'est compliqué. Il est impossible que cet homme tombe. 363, regardez ce qu'il dit. Mais là où la vie est venue, cette perfection, celui qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne viendra jamais en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Je lui donnerai la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et aucun d'eux ne se perdra. Ils ne le peuvent pas. Donc, voici ce que ça produit. Ce que ça produit. Les gens pensent que ça produit une conduite relâchée chez les gens. Frère, on ne sert pas Dieu comme sous les regards des approbateurs d'un serpent.
C'est-à-dire que tu sers Dieu par la peur. Tu as peur parce que si je fais ça, Dieu va me frapper. Non, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Dieu n'est pas de ceux qui vous font avancer de force à coup de fouet. Ça, c'est le légalisme. Il est un père. Il est amour. Dieu est amour. Et la Bible dit dans Jean, celui qui aime est Dieu. 365. Vous aimez Dieu. Si je sortais et que je me livre ce soir, je n'ai jamais bu de ma vie. Je prends la partie en rouge. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que je l'aime. Il m'aime. Ce ne sont pas des œuvres produites par une loi. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire que les lois ont été englouties dans l'amour. Si je ne le fais pas, ce n'est pas parce que j'observe une certaine loi. Parce qu'ils ne sont plus autant de la loi. La loi, c'est déjà du passé. Mais nous voyons que l'état de la loi est placé dans l'âge alliance. L'âge alliance qui est la parole. La parole qui est Jésus qui avait englouti tout. Il résume toutes les lois dans une seule loi qui est amour. Et si je ne le fais pas, madame dit, si je ne le fais pas, c'est parce que je l'aime. C'est tout. Ce ne sont pas des choses qui sont produites par la loi. Je n'observe aucune loi parce que la loi n'a aucun effet. Femme dit que la loi était comme un policier. Pour vous rappeler, là où vous êtes tombé. Mais l'amour, c'est la grâce de Dieu qui nous a rachetés. Et quand nous sommes rachetés, cet amour-là produit des œuvres comme si c'est la loi qui nous dictait. Mais ce n'est pas la loi, c'est pas l'amour. C'est ce que le frère dit ici. Ce n'est pas quelque chose que je suis forcé de faire. Non. C'est pourquoi je dis que si quelqu'un a envie de voir, laissez-le voir. Laissez-le voir. Si vous l'interdisez de voir, ce sera un hypocrite. Comme cette sœur dans la Suède, qui est venue d'une grande église là-bas, on l'a vu là-bas en Suède en pantalon, maquillage et toutes ces choses-là. Ah, un frère m'a dit, mais regarde la sœur là. C'était comment une sœur. Oui, non, le problème c'est que le désir était toujours dans son cœur. Il fallait lui donner la parole qui pourra enlever le désir là. Et la sœur allait changer. Il y a une sœur en Belgique. Cette sœur là venait à l'église. Avec ses boucles d'oreilles, avec tout ce qu'elle avait. Durant des années et des années. Et personne ne lui disait quelque chose. La soeur était là. Toujours, c'est depuis, je crois, depuis 2012, hein, la soeur venait avec ses boucles d'oreilles, avec ses maquillages. Personne ne disait quelque chose à propos de ça. Elle était à l'aise. Tout ce qu'on nous présentait, c'était l'amour. Et il y a quelques semaines, la sœur elle-même est venue, elle a dit que j'ai écouté le message, j'ai lu le message du frère Branham, j'ai compris que je dois enlever ça, je dois enlever ça, je dois enlever ça. Aujourd'hui, la sœur a tout enlevé d'elle-même. Personne ne veut le faire, c'est d'elle-même. Là, c'est quelque chose qui provient du cœur. Alors, aujourd'hui, dans le légalisme, on force les gens à devenir je ne sais comment. À être comme les sœurs du couvent, non. Les frères à être comme les prêtres catholiques, non. Laissez la personne s'exprimer. Comment est-ce que tu sauras ce qu'il a en lui si il ne s'exprime pas? Tu lui donnes une certaine manière de vivre, tu lui traces certains livres, mais il va vivre comment? J'ai vu une sœur qui me dit que mon mari n'avait plus à supporter le message. Il y a trop de lois. Mais Marie a dit, je n'arrive plus à vivre. Si je fais ça, arrête. Si je fais ça, arrête. Il y a trop de choses, frère. Le légalisme a comme beaucoup de choses ici. Du côté calvinisme, il y a un peu de l'équilibre. Mais le légalisme a produit des hypocrites. Comme ce frère-là qui était dans l'avion. Le frère de l'avion, l'hôtesse est venue. Monsieur, vous voulez boire quoi? Il dit, ah, donne-moi une prémisse. On lui donne une prémisse. Il met la prémisse dans un verre comme ça. Il est au cas. Le frère dit, ah, mon prima. Mais là, il voulait la dénigrer. Non, mais comme
Alors que son passage est juste un peu de... Il parle. Mon truc, tu vas manquer. Dès qu'il fait ça, là, il dépose notre effet. Son passé vient de rien. J'aime ça. Il dit, comment est-ce que je peux prendre le grain de et en faire un grain de blé? Il m'est impossible de le faire. Le seul moyen possible, c'est que l'intérêt de ce grain ait été transformé d'un grain de blé, d'un grain à un germe appelé vie de blé. Alors, enterrez ce grain et il produira un grain de blé. C'est vrai. Parce qu'une vie de blé a été mise dans le gratéron. Et la vie de ce gratéron a été retirée. Mais la nature du gratéron est toujours piquante. C'est ça. Je suis parfait. En moi, la vie du blé a été plantée. Mais ma nature du gratéron est toujours piquante. J'ai commis toujours des erreurs. Voilà pourquoi moi, quand je vois quelqu'un dans les erreurs, je n'aime pas parler. Parce que moi aussi, les erreurs, j'en ai. Nous allons voir dans la chaîne. Souvent, tu sais. J'ai toujours dit, hein, tu sais, quand tu condamnes quelqu'un d'autre, il est difficile de voir tes propres fautes. Ça a toujours été difficile. Il faut te voir toi-même. Tu vois quelqu'un commettre une erreur, prie pour lui, ou soit tu vas le conseiller. Vous savez que le fait par exemple que Dieu nous a sauvés dès avant la fondation du monde. Même quand on était dans le monde en train de boire, nous étions déjà sauvés. Oh, si tu es sauvé, tu es déjà parfait. Tu verras un païen dans une boîte de nuit en train de boire, mais c'est même parfait. Toi, tu vas le comprendre comment. Enfin, les affaires de Dieu, c'est une affaire de prédestination. Les voleurs, vous savez, les voleurs à la croix, c'est nous qui savons qu'il est sauvé. Ouais. Mais les gens qui étaient là, ils savent que le voleur à la croix est perdu. Ouais, ouais. Juste, pas parler que juste aujourd'hui on appelle toujours un voleur. Parce que la conversation s'est passée entre lui et Jésus. Après ça, ils sont morts. Je ne sais pas qui nous a révélé ça. C'était entre lui et Jésus. Alors, le monsieur-là, il volait tellement.
Abraham. Jusqu'à ce qu'il ait été capturé comme un voleur, il a été crucifié sur la croix comme un voleur. Mais tout le monde savait que pour les juifs, les pharisiens, ce monsieur-là, impossible qu'il soit sauvé. Or, c'était une sémence. Mais une sémence pour décider qu'il a volé toute sa vie. Amen. Amen. Ouais. Mais tu sais que le voleur avait une mauvaise vie par rapport à Caïphas. Caïphas avait une vie propre, hein, ouais, sanctifiée. Ouais. Mais le voleur, c'était un voleur. Mais Caïphas perdu, ouais, le voleur est sauvé. Voleur prédestiné. Un voleur prédestiné. Si nous connaissons, frère, si nous connaissons le mystère de la prédestination, frère, tu ne vas pas aller forcer les gens à croire le message. Moi-même dans ma famille, je ne force pas les gens à croire le message. C'est une affaire de prédestination. Oui. On vous avait dit que nous sommes des juges. Ah. Un juge a aussi le mandat de gracier. Voilà. Les gens de ta famille, s'ils ne sont pas prédestinés, ils ne croiront pas le message. Mais toi, tu es un juge suprême. Tu peux les réclamer. Ça dit que ne tombons pas dans l'arménianisme ou dans l'égalisme. L'égalisme, non, frère. Ici, frère, ici, parce que celui qui est affranchi par la parole, il est libre. Ici, nous sommes hein, libres. Nous ne sommes pas ici dans le calvinisme. D'ailleurs, si tu viens ici, il y a de l'or. Hein. Parce que chacun sait que quand nous entrons dans l'église, il y a la musique douce qui joue, nous sommes en train de méditer. On n'est pas dit déjà, parce qu'ils savent dans leur cœur. Au moins, ce soit un pentecôtiste qui vient pour la première fois, on va lui dire non ici, nous on ne parle pas avant le culte, on garde le silence, l'atmosphère. Mais tout celui qui a la parole en lui sait, on n'a pas besoin de répéter. Pourquoi? Parce que la parole est en train de le cœur. Nous ne sommes pas ici en train de suivre les gens derrière, fait ça. Non, frère, moi je ne crois pas ça. Ça, c'est le parfait l'ancien monde. Ici, nous sommes seulement les frères. Amen. Amen. Frère Eric. Un pécheur sauvé par la grâce. Partez-vous. Mais pendant qu'il est ici sur terre, et dans qu'il vient de la terre, pendant qu'il est ingratérant, il est toujours piquant. Mais à l'intérieur, il a la nature du blé. Donc à l'intérieur de lui, c'est une personne changée. Mais ici, c'est toujours du gratérant. Amen. Mais le problème, c'est que le désir provient du cœur. L'homme, la Bible dit que l'homme est telle la pensée de son cœur. C'est-à-dire que si Dieu, la parole, entre dans le cœur de l'homme, dans l'âme, cela reproduira Christ. Cela reproduira la vie de Dieu. Mais sans que cela soit dans l'homme. Je ne bois pas parce que j'ai peur, non. Je ne fais pas ça parce que j'ai peur, non. Je respecte mon frère parce que je l'aime. Amen. Je ne respecte pas frère Christ parce que j'ai peur, tu vas me taper. Je le respecte parce que je l'aime. Je ne peux pas demander du respect, parce que si je demande du respect, ça va mettre, ça va briser l'harmonie entre lui et moi, et puis, c'est fini. Je sais que je peux vivre sans lui, je sais qu'il peut vivre sans moi, mais je ne ferai pas parce que j'aime. C'est l'amour qui porte, et l'amour englobe la loi. Et dans cet amour-là, on produit des choses comme si nous le produisions par la loi, mais ce n'est pas la loi, parce que la loi est déjà abolie. Pardon, la loi était déjà abolie de l'amour. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir ma loi, mais je suis venu pour la accomplir. Et mais cette loi-là n'est qu'une seule, c'est l'amour qui englobe tout. C'est l'amour qui a avalé les tables de la loi. C'est l'amour qui a avalé la manne. La même manne. Vous voyez? Mais le frère Bonhomme dit maintenant que, il dit que quand la reine d'adultère était partie dans cette différence des jours, on lui a dit, on lui présente des étoffes sales. Il dit, mais c'est quoi ça? On lui dit, non, c'est avec ça qu'il faut beaucoup de jours. Il dit, ah, ça là, on va beaucoup de jours avec ça. Il dit, oui. La reine n'en a pas cru. On a pris des étoffes sales, on a passé par un processus, et après ça, on produit un journal, on met sa figure, sa face là-dedans, on lui envoie. Et on lui dit que ce sont les étoffes que tu avais vues. Ça passait par un processus. Alors le frère Bonhomme dit, voyez-vous, c'est tout, c'est le message
de la justification, les messages de la sanctification et les messages du baptême du Saint-Esprit qui passent par un processus. Quand ça sort là-bas, ça devient une autre chose. Vous voyez? Nous parlons toujours de la justification, mais pas de la manière de l'éducation. Toujours la sanctification, mais pas de la manière de l'éducation. Les baptêmes du Saint-Esprit parlent de la manière des pentecôtistes. Parce que dans les frères, dans tout passe par le processus pour le mettre dans la justification. Amen. Voilà. Deux écoles de la pensée, l'arménisme et le calvinisme. Nous sommes ni de la grâce infinie, ni des légalistes. Mais nous avons les justes du milieu. Amen. C'est l'amour dans le cœur qui produit ce que nous avons. La vie que nous menons n'est pas produite par la loi, mais c'est produite par l'amour. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, le plus grand, et puis nous allons prier, parce que Dieu est bien. Mais là, vous pouvez, mais peut-être, il va oser.